c'est dur de faire un résumé parce qu'il y a, tellement de choses. C'est large, c'est toute ma vie et c'est difficile de résumer déjà tout ça maintenant. Ça faisait déjà quelque temps que je sentais que j'arrivais en bout de carrière, mais c'est toujours difficile de savoir quand est-ce que ça va venir. Et pendant mes 4 dernières années, j'ai travaillé avec un préparateur mental. Et en fait, chaque fois, on revenait sur le sujet où lui me disait « Mais voilà, comment est-ce que tu vois la suite si jamais ça devait s'arrêter demain ?» Et lui, gentiment, il m'a aussi fait prendre conscience que ça allait arriver et que je ne pouvais pas mettre ça, cette idée dans le coin. Il fallait sérieusement que je commence à la voir de plus près et à la réaliser. Et c'est vrai que ça a été aussi une personne très importante au moment où j'ai pris ma décision, parce qu'on en a beaucoup discuté les deux, et j'avais besoin de sentir un soutien aussi de sa part, ou de quelqu'un en tout cas, pour me conforter comme quoi c'était juste et que j'avais raison, et que le monde n'allait pas s'arrêter de tourner non plus, et que j'allais quand même avoir encore quelqu'un là au cas où ça devait partir en vrille, quoi. Il faut vraiment avoir du caractère pour se dire maintenant, il faut que je me prenne en main toute seule, que je prenne ma vie avec mes deux bras et que j'y aille, quoi, tu vois. Tu ne peux plus compter sur une fédération ou sur un groupe de personnes qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment. C'est à toi de faire toutes les démarches et ça demande du cran. Ça demande du cran, ouais. Le fait de se fixer des objectifs, on a l'habitude, nous, de toujours fixer des objectifs, hein, et du coup, de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande qualité. Et puis après, d'être persévérante, quoi. Même quand il y a des difficultés, c'est vraiment ce côté-là aussi consciencieux, ce rythme de vie qu'on avait avant, d'être très méticuleuse dans tout ce qu'on faisait. Et bien ça, maintenant, je peux l'utiliser pour ma nouvelle vie. Je me suis dit, moi, je veux commencer l'école d'ambulancière. Qu'est-ce que je dois faire pour y aller? Je dois faire des stages, je dois prendre contact avec l'école, je dois faire ça, ça et ça. Je connais rien, mais c'est pas grave. Je fonce, j'y vais et j'essaye. Moi, il y a des choses toutes simples, mais écrire une lettre de motivation ou de faire des CV, j'avais jamais fait, je savais pas du tout comment il fallait faire. Ben, on trouve les moyens, on les fait et ça marche. Et ça marche. Une fois la décision prise, je me suis sentie tellement libérée. Et je peux découvrir maintenant plein de choses, je peux faire tout ce qui me plaît aussi. Et puis ce côté d'adrénaline, je le retrouve dans les ambulances, faire du sauvetage. Et quand vous partez sur une intervention, c'est comme au départ d'une course. Vous êtes à bloc à 100% et il faut donner le 200% de soi-même. Donc je les retrouve au quotidien.